Good morgen, allez, Iden, et je suis aujourd'hui le Nishma, François Vajimen, Hana, Janine Ruth, Batfortun, Mazel Fritna, Claude Shlomo, Ben Shalom, et Ishaya Ben Linda. Si vous souhaitez vous aider d'une prochaine étude de Misha, contactez 5 minutes éternelles. Nous étions à Sechet Brachot, Perek Dalet, Mishnabet. Rabbi Nechunia Ben Akana, Yamit Palel, Biknitsato, le Betamidrash, Obitsiato, Tefilak Tzara. Amrolo, Mama, comme l'itfilazo, Amarla, M, Biknitsati, Animit Palel, Sholote, Ratakala, Aliadi, Obitsiati, Aninoten, Hodaya, Al-Khelki. Rabbi Nechunia ben Akana, il avait ayamit palelt biknisato le betamidrash. Il avait l'usage de faire une petite tfila lorsqu'il entrait au betamidrash, ou bitsiyato, et aussi lorsqu'il sortait du betamidrash. Tfila tzara, une petite tfila. C'est-à-dire une fois qu'il avait fini la tfila du matin, et qu'il allait au betamidrash, au moment d'entrer au betamidrash, selon certains mefarchim, on dirait qu'il faisait même la tfila depuis le moment où il rentre, avant de s'asseoir même à sa place, il faisait une tfila. On le voyait le murmurer. Et quand il sortait, on le voyait aussi il fermait ses livres, et on le voyait qu'il murmurait de nouveau quelque chose. On avait bien compris qu'il faisait une tfila. Alors, Amroulo, ils lui ont dit, mais Mama comme les tfilazo, quel est le principe, qu'est-ce que tu fais, c'est quoi dans cette tfila? Il leur a répondu, Mativa, quel est le contenu de ta tfila? C'est quoi ta tfila? On a vu que t'as déjà fait Shacharit, t'as déjà fait Arvit, qu'est-ce que tu fais? Amar Laim, il leur a répondu, Biknisati animit palel sholotera takala al yadi. Au moment où je rentre, je fais une tfila, shelo teera takala liyadi, qu'il ne se cause pas un incident à cause de moi, littéralement. D'accord? C'est-à-dire, en deux mots, comme nous l'explique la Gemara, d'abord je finis la phrase, ubetsiati, et lorsque j'ai fini, aninoten odaya al-khelki, je donne une reconnaissance, c'est-à-dire je reconnais Hachem, je le remercie, al-khelki, sur la part qu'il m'a donnée de ma sombre témoignage. Soit il entre au Beth Amidrash pour étudier la journée. Il fait une tfila où il prie Hachem. Ribono shel Olam, aide-moi que je ne me trompe pas dans la lacha, et plus précisément, que je ne me trompe pas dans la lacha et qu'à cause de moi, les gens vont rigoler sur moi et ils vont faire une avera. On va créer un esprit de légèreté au Beth Amidrash à cause de moi, et finalement, il va y avoir shalom, une kpeda du ciel. Fais en sorte que l'étude que je vais avoir aujourd'hui va être de qualité, telle qu'il n'y aura pas de takala aliadi, il n'y aura pas d'embûche à cause de moi, que je vais être la cause de risée et de avérote et de choses pas bien. Ça, c'est lorsqu'il entre au Beth Amidrash. Et maintenant, et lorsqu'il a fini sa journée, alors il reconnaît Hachem sur le fait qu'il lui a permis de s'asseoir au Beth Amidrash. Et il y a des gens qui passent la journée à regarder des matchs de foot ou des matchs de, d'accord, ou à avoir une vie vide de sens. Moi, chaque jour qui passe dans ma vie, je me remplis encore plus et je te remercie, Hachem. Comme vous savez, c'est imprimé dans tous les livres de Gemara ou de Mishnah, dans la première page. On a la mitzvah, la tfila à dire au moment lorsqu'on commence à étudier. La tfila, le remerciement à dire lorsqu'on a fini d'étudier aussi. Et quand on fait un sioum, c'est le moment aussi de le dire aussi pour toute la maserhet, qu'on reconnaît Hachem, qui nous a élevés parmi tous les autres peuples, et en nous donnant la Torah. D'accord? C'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tov, Selah.